Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des produits Farida B et de la gamme Hydra Freeze parce que ça fait un petit moment quand même que j'avais entamé ce partenariat. Ça fait au moins 6 mois que j'ai reçu les produits et que j'ai pu les tester. Donc voilà, là j'ai un avis assez costaud maintenant pour vous le partager, hein, je pense que vous avez bien compris. Donc voilà, c'est le moment d'en parler. Je vais d'abord vous parler un peu de ce qu'est la marque Farida B. Alors la marque Farida B, c'est une marque qui est spécialisée dans les cheveux bouclés, frisés, défrisés, enfin voilà, l'expert du cheveu frisé. Et donc c'est vrai que ça correspond, je crois, pas mal à ce que j'ai sur la tête, hein, vous l'aurez compris, je pense. Et voilà, vous avez plusieurs gammes, Hydra Freeze, Hydra Détente, Hydra Force. Donc voilà, selon vos types de problèmes, vous pouvez plus ou moins vous diriger vers telle ou telle gamme. Moi, elle m'a plutôt dirigée vers la gamme Hydra Freeze pour... voilà, parce que je me lisse pas les cheveux beaucoup, enfin même presque jamais en fait. Donc c'est vraiment... ils sont pas abîmés, ils sont secs, ils ont besoin d'être nourris en fait. C'était plus ça le problème de mes boucles et surtout d'être définies. Et donc voilà, tout ça, ça date d'il y a 6 mois. Donc si vous voulez voir un peu l'état de mes cheveux il y a 6 mois, un peu comment ils étaient et tout, bah, regardez les vidéos d'il y a au moins 6 mois et vous verrez sûrement déjà la différence dans ce que je vais vous parler. Donc on va commencer par les divers produits que j'ai reçus et que j'ai reçus. Donc d'abord en fait dans la gamme Hydra Freeze, vous avez le shampoing repulpeur de boucle à base d'huile végétale sans paraben et sans silicone. Ensuite... vous avez le masque repulpeur de boucle sans paraben, mais pas sans silicone. Pourquoi? Je sais pas et je trouve ça dommage. Ensuite, vous avez le baume de lait repulpeur de boucle quotidien sans rinçage aux huiles végétales et sans paraben. Et toujours, semble-t-il, avec du silicone. Dommage aussi. Donc, voilà, le truc, c'est que je pense que je vais davantage vous parler globalement des produits. Donc, le shampoing... ben, c'est un shampoing qui sent très bon, qui sent quelque chose, comment dire, de très doux, presque l'amande. Pour le masque, donc je laisse poser un petit peu, pas longtemps parce que j'ai pas toujours le temps. Mais surtout, je rince pas tout, en fait, je rince partiellement. Et ensuite, donc, une fois que j'ai tout rincé, enfin que j'ai tout rincé, une fois que j'ai fini ma douche, du coup, je pose le baume de lait repulpeur de boucle quotidien sans rinçage. Et c'est ça qui va vraiment me permettre ensuite de former mes boucles, etc., de les définir. Et c'est vrai que c'est la combinaison de ces produits-là qui a fait le résultat que vous voyez là, qui fait que justement mes produits, que mes cheveux sont, comment dire, définis. Je pense que ça se voit que les boucles sont très définies. Elles sont brillantes, enfin, j'ai pas un appareil de dingue là, comme vous pouvez le voir, et je pense que vous pouvez voir que c'est bien défini, c'est beau, c'est harmonieux, voilà, et elles sont nourries, et c'est vraiment agréable, quoi. Et surtout, enfin, ce que je cherchais, c'est aussi le contrôle de mon volume. Dès les premières utilisations, j'ai remarqué que justement, ça contrôlait ce volume. Ça m'avait même fait des anglaises à un moment. J'avais d'autres formes de boucles. Enfin, elles sont passées un peu partout, mais elles étaient quand même définies. Donc, moi, c'est ce que je cherchais. Et donc là, elles ont, je pense, atteint un peu leur forme définitive avec ces produits où justement, ce sont des boucles fines, mais très rebondies, quoi. Ah, hein, les enfants s'amusent bien avec ça. Donc voilà, ça a vraiment fait du bien à mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, si vous voyez mes cheveux avant toute cette routine, c'est-à-dire il y a au moins 6 mois, vous allez voir mes autres vidéos où je vais essayer de vous mettre une petite photo. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une réelle différence. C'est-à-dire qu'avant, j'avais, comment dire, toute une ondulation comme ça, ou alors beaucoup de boucles, mais pas si... si brillante et si définie, si fine en fait. Là, j'ai beaucoup de boucles nombreuses et je trouve ça super joli. Je voulais dire aussi que, par exemple, avant, j'allais chez le coiffeur et il me disait tout le temps « voilà, ils sont secs, ils sont pas beaux. » Enfin, en gros, super, quoi, quand tu vas chez un coiffeur et que t'as les cheveux bouclés, attends-toi à recevoir aucun compliment. Donc voilà, alors que là, j'y suis allée genre la semaine dernière. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, voilà, vos cheveux, ils sont en bonne santé. Il n'y a pas de souci avec le cuir chevelu. Donc là, j'étais mais trop contente. Je me suis dit, enfin, ils sont soignés. Et là, mais ah, je me suis dit, ah, je fais ce qu'il faut. Enfin, elle va pas me vendre d'autres produits parce que ça c'était tout le temps en fait. Et là c'est vrai que elle savait pas trop quoi me dire quoi. Donc, donc j'étais plutôt vraiment contente et je suis encore contente de ce résultat. Si vraiment je devais retenir
des produits de tout ça. C'est vraiment le masque. Le masque, mais il est d'enfer. Franchement, je peux me shampouigner avec un autre shampoing et mettre ce masque. Et voilà, ça fait ce résultat. Bien sûr, j'aime beaucoup le shampoing. Après, le baume de lait, c'est vrai que parfois, j'utilise moins parce que j'ai d'autres... comment dire? J'ai d'autres choses qui me coiffent, en fait. J'ai d'autres soins sans rinçage ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que je n'utilise pas constamment. Mais c'est vrai qu'il est très bien aussi. C'est dans la logique de garder la même gamme. Mais vraiment, le shampoing et le masque, mais topissime, quoi. Et si vous n'avez pas, justement, de quoi vous coiffer encore, vraiment, c'est très important, au final, pour les cheveux bouclés, d'avoir, justement, un produit coiffant et qui définit les boucles. Parce qu'au final, c'est vraiment le rendu final, c'est bien de les soigner et tout, mais après c'est bien de les coiffer et qu'ils ressemblent à quelque chose parce qu'au final c'est surtout ça le problème qu'on a. Voilà. Ensuite, à part ça, donc Farida et la marque Farida B m'avaient envoyé deux autres produits. Donc d'abord c'était de notre gamme, c'est de la gamme Hydra Force. Donc c'est vrai que voilà, l'Hydra Force c'est plus pour les cheveux sensibilisés. Donc, il y a le soin essentiel pour cheveux sensibles, sensibilisés, baume nourrissant végétal aux huiles végétales sans parabènes qui ressemble à ceci. Alors, pour utiliser ceci, il faut chauffer la matière. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est mettre ce produit dans de l'eau chaude, attendre un petit peu et ensuite vous le sortez. Je ne sais pas si on peut voir très bien, hein, parce que voilà, donc c'est une sorte, comme une sorte de. Enfin, c'est une texture très épaisse. Voilà, presque grasse. Donc, j'ai pas été fan de ce produit, je vous l'avoue, franchement. J'ai pas trop compris parce que il faut en mettre très peu. Donc, j'en mets très peu. J'en mets vraiment une petite noisette, mais je sais pas. Si j'en mets qu'une petite noisette, ça me fait pas tous les cheveux. Donc, au final, après, dans l'aspect, ben, ça fait quelque chose de complètement différent selon mes mèches. En fait, là où j'ai mis le produit, c'est comme si mes cheveux étaient presque collants, collés et pas du tout naturel comme là où ils sont très souples. Et avec ce produit, non, alors qu'il est censé hydrater, sublimer et protéger. Donc, peut-être qu'il hydrate, peut-être qu'il en fait trop et que pour moi, ça va pas. Donc, moi, j'ai pas du tout eu tendance à l'utiliser celui-là. Ça peut être, je pense, un très bon soin pour celles qui, par exemple, se sont trop lissé les cheveux et qui ont tout cassé, quoi. Et voilà. Mais pour moi, c'est vrai que ben voilà, je suis pas convaincue par ce produit. Ensuite, on passe au nectar d'huile végétale, donc toujours d'Hydra Force pour ben, toujours voilà, donc c'est pour vous faire des bains d'huile. Bon, déjà, chose pas mal, flacon pompe. Ça, j'aime bien. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, il donnait les cheveux très brillants et très souples. Ça, je peux vraiment pas lui enlever que c'est une très bonne huile pour ça, très nourrissante. Ça, voilà, c'est bien. Par contre, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup du mal, c'est vraiment très accessoire, vous allez me dire, mais ça sent trop fort. Ça sent la noix ou quelque chose comme ça, je ne saurais pas dire. Et pour moi, ça passe pas. Enfin, j'ai pas envie de me la mettre. Voilà. Et ensuite, deuxième chose, c'est que moi personnellement, j'achèterai pas ce produit en fait parce que je me fais déjà des bains d'huile avec d'autres huiles, genre que vous pouvez trouver en magasin comme de l'huile d'olive. Et du coup, bah, pour moi, je vois pas encore l'utilité d'utiliser une autre huile que je dois acheter, qui doit sûrement coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est un peu ça mon souci. Et voilà, moi j'aime bien faire les choses de moi-même en fait. S'il s'agit de bain d'huile, j'ai envie d'acheter mes huiles, de me faire mon propre truc. Donc voilà, donc du coup je suis pas trop fan de ce point de vue-là, mais après c'est une très bonne huile. Mais par contre, c'est pas l'huile que j'utiliserais, comment dire, pour sublimer mes cheveux rapidement. Par exemple, j'utilise l'huile de chez Garnier pour vraiment aller très vite. Je sais pas, je sors de la douche, tac, je me mets ça, je me mets mon huile, je vais dormir. Là, c'est vraiment, c'est pas l'huile express, je dirais. C'est vraiment l'huile pour faire le soin profond. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas forcément, du coup, trop apprécié, hein, que j'ai pas trop collé en fait. Mais en tout cas, globalement, c'est vraiment plus la gamme Hydra Freeze que j'ai pu tester qui m'a totalement convaincue. Mes cheveux au jour d'aujourd'hui, je les aime. Voilà, avant, j'ai détesté mes cheveux, je les lissais tous les jours. J'assumais pas du tout mes cheveux bouclés.
Et ma foi, c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui fait notre différence et notre charme en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment en prendre soin, les définir et c'est très important pour ça. J'essaye toujours de vous donner des conseils par rapport à ça, de trouver de bons produits. Et les produits Farida B, en tout cas de la gamme Hydrafreeze, m'ont bien convaincue. Et voilà, j'en suis vraiment plutôt contente. Donc voilà, si vous avez des soucis, renseignez-vous sur le site pour savoir quel serait davantage le souci et la gamme à prendre pour votre souci. Voilà, moi c'était plus le nourrir et qu'ils étaient secs et à définir. Alors que si vous prenez Hydra Détendre, ben c'est pour les détendre. Si c'est Hydra Force, c'est parce qu'ils sont sensibilisés, qu'ils ont été abîmés. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous ai répondu, que cette vidéo, avec mon avis, vous aura plu. En tout cas, sachez qu'il était complètement sincère. Hein. Je pense que vous avez compris de toute façon avec ce que j'ai dit sur certains produits. Voilà, si vous voulez, ouais, suivez la page Facebook de Farida B parce que de temps en temps, il y a des concours. Donc c'est vraiment plutôt pas mal de pouvoir gagner des choses. Voilà, moi j'essaye moi-même de participer de temps en temps. Voilà, allez sur le site si vous avez des soucis, des demandes, n'importe quoi, si vous voulez plus de renseignements sur quelle huile et tout ça. Et vous pouvez trouver aussi les produits sur Paris dans le salon de chez Farida B. Vous pouvez trouver les produits sur des sites internet. Vous allez sur Google et Google t'ouvrira la porte pour savoir où les trouver. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Ciao!